Votre ministre de l'Intérieur a osé parler de déni de démocratie. Le déni de démocratie, c'est vous. 20-49-3. Deux ans de vie volée aux Français contre l'immense majorité du peuple. Madame la Première ministre, 149-3, vous n'êtes rien. Si ce n'est un gouvernement incapable, incapable de légiférer et de gouverner. Mais les Français veulent des augmentations de salaire, une véritable politique contre la vie chère, des services publics qui assurent l'égalité des citoyens. Ils veulent en finir avec un gouvernement qui a fait régresser la France à l'état d'un pays qui a faim. Dans toutes les démocraties, quand un ministre est battu, il doit démissionner. Dans toutes les démocraties, quand la représentation nationale rejette un texte, il est retiré. Madame la Première ministre, sentez-vous cette odeur de fin de règne? Tôt ou tard, vous serez contraint de retourner aux urnes. Le peuple devra alors choisir entre le camp des élites racistes ou celui de l'Union populaire. Madame la Première ministre, partez le plus vite possible. Merci.